Le gouvernement espagnol a eu raison de vouloir faire respecter la loi. Nous avons tous été toutefois émus par les images de violence qui ont été montrées un petit peu partout. Mais là aussi, ne soyez pas naïfs, ces images sont soigneusement sélectionnées par des groupes qui veulent aboutir à ce qu'ils ont abouti. Et d'ailleurs, ces images, il y a beaucoup de fake news, joué. Philippe Juvin, mais enfin, tous les envoyés spéciaux envoyés par les médias français sur place ont été témoins de certaines de ces scènes, tout de même. Bien entendu. Et ce que je veux vous dire, c'est que des heurts violents entre des manifestants et la police, il y en a en Europe. Ce n'est pas la première fois. Simplement, ça a été monté en épingle. Et très franchement, aujourd'hui, tout le monde dit, qu'il soit pro ou anti, que ces images font d'abord le jeu des extrémistes catalans.